votre salle de classe. In your classroom. Vous aviez votre ami qu'on appelait Solange. Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline, cette fleur, elle venait dans votre terminale. Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Hein? Elle quittait la terminale B pour la terminale A. Quand vous étiez à l'école primaire, sur votre maître qu'on appelait Monsieur Guillaume, et sur votre camarade de classe qu'on appelait Nelly. Maintenant, regardez, j'ai vu un frère qui était avec une femme qu'on appelait Jackie. Samaïda Odem, c'est qui? Vous avez connu une femme qu'on appelait Jackie. J'ai dit quoi? C'est Jackie? Jackie? C'est qui? C'est un frère. Vous avez une amie qu'on appelait Jackie, Jacqueline. Jackie, c'était qui? C'était mon ami à l'école quand j'étais au lycée de Liverpool. Vous êtes sorti ensemble? Oui. Ah? Jacqueline. Jacqueline, vous l'aimiez? Oui, je l'aime. Vous faisiez quelle classe? Je faisais seconde. Seconde. Vous? Vous étiez en seconde. Et vous étiez avec? C'est encore qui? Jacqueline. Jacqueline. Et vous sortiez avec Jacqueline? Ah? Oui, papa. En seconde? Oui. Notalati wa inokros plotem. Wa in kalita en oras men arobi uniredo wa inesman eloki filiman axo axo dako. Il y a eu un problème avec la technique, hein? Il y a eu un problème avec la technique, hein? Il y a eu un problème avec la technique, Est-ce que vous souvenez qui a eu un problème avec la technique? Est-ce qu'il y a eu un problème dans votre carrière? Il y a un problème avec la technique. Comme quoi choisir? Où aller? Oui, c'était moi parce que je voulais faire la technique, mais il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas les moyens. D'accord, regardez. Regardez, laissez-moi vous aider. Talous Man Edani, quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline, l'Esprit de Dieu m'a amené en seconde. Et je vous ai vu en seconde. Et je vous ai vu en classe. Et quand vous étiez en seconde, vous étiez quelqu'un de très bien, quelqu'un que les gens aimaient. Pourquoi? Parce que vous ne faisiez pas les problèmes aux gens. Hein? Vous étiez quelqu'un de simple, quelqu'un de bien, quelqu'un de paisible. Tout le monde vous aimait. Même les professeurs vous aimaient. Vous étiez un peu l'ami des professeurs. Hein? Oui, quand c'est en seconde. Oui, papa. Maintenant, il y a eu Jacqueline si. Et puis vous avez aimé Jacqueline. Et Jacqueline vous a aussi aimé. Quand Jacqueline vous a aimé, vous savez, parce que Dieu m'a amené dans votre salle de classe. J'ai vu la salle de classe. J'ai regardé la classe. J'ai regardé la classe. Et je suis entré dans votre salle de classe. Quand je suis entré, je suis monté sur une véranda. Hein? Je suis monté sur une véranda. Et je suis entré sur la porte. Quand je suis arrivé sur la porte, j'avais un cadre en bois. Hein? J'avais un cadre en bois. À gauche, les fenêtres sont à gauche. Parce qu'à droite, il y avait une autre classe. Il y avait une autre classe à droite ici. À gauche ici, il y avait trois fenêtres sur votre salle de classe. Des grandes fenêtres. Une, deux, trois fenêtres. Et je suis entré dans votre salle de classe. Quand je suis entré, l'Esprit de Dieu m'a amené et je me suis tenu ici. J'ai regardé en face de moi, j'ai vu trois rangées de bancs. Hein? J'ai vu trois rangées de bancs. Quand je me suis arrêté, en début d'année, vous étiez ici, à l'entrée de la porte, à la quatrième, le quatrième banc. Si vous vous asseyez. Après, avant la fin de l'année, vous avez déménagé pour venir au milieu. Et vous étiez derrière, au septième banc. Et tira mi more votem. Dami in classe, mora out, bin agonas, malos. Et Dieu m'a dit, regarde ce jeune homme. Il y a quelque chose de grand que j'ai mis en lui. Mais le diable l'a combattu depuis son enfant. Vous avez été très malade, vous. Oui. Depuis votre enfant, vous avez été très malade. On ne savait même pas que vous alliez vous en sortir. Et la mort a frappé autour de vous. Les gens qui devraient vous aider, Satan les a éliminés par la mort. Et vous êtes battus jusqu'à cet âge. Mais je vous ai vu dans votre salle de classe. Je vous ai vu ici. Et quand je vous ai vu dans la salle de classe, je vous ai vu aimer. C'est encore qui? Jacqueline. Jacqueline. À l'époque, quand
quelque chose s'est passé. Jacqueline, si. Parce que vous n'aviez même pas le courage de parler aux femmes. Même jusqu'à l'heure-ci. Vous avez honte de parler aux femmes, vous avez peur des femmes. Et c'est ce que j'ai dit, un sens. C'est ça, papa. Il est timide. Papa Jacqueline, c'était la guerre. Maintenant, je vous ai dit. Kun anakiwa inespalati anau alabim. Alau kalasner ina alokin tsao laidam. Adanta mantawa in esclasa saramra in arva. Quand je vous ai vu dans la classe de seconde, en fait, Jacqueline avait son amie qu'on appelait Marie. Hein? Elle avait sa camarade qu'on appelait Marie, qui était aussi votre camarade de classe. Oui, papa. Mais ce n'est pas d'abord Jacqueline que vous avez aimé, c'est Marie que vous aimiez. C'est ça, papa. Hein? C'est Marie d'abord que vous aimiez. Mais vous n'avez pas su comment avoir Marie. Comme Jacqueline était plus abordable, vous êtes allé sur Jacqueline et ça donnait. Mais c'est Marie que vous avez aimé jusqu'aujourd'hui. Vous pensez à Marie. Je vous dis, la femme qu'il aimait, il n'a pas eu le courage de l'aborder. Parce que Marie, c'était un peu comme une fille trop classe pour vous. C'était une fille qui c'est le genre de femme que les professeurs aimaient. Elle était un peu comme la vedette. On ne lui parlait pas n'importe comment. Elle te met à ta place. Mais vous n'avez pas pu lui parler. Que Marie, tu vois, je t'aime, je suis amoureux. Vous êtes allé chez sa camarade. Vous avez attaqué Jacqueline. Et ça a donné. Et vous êtes resté avec Jacqueline. Laissez-moi vous parler. Le jeune homme, il y a quelque chose dans sa vie que je veux. Je voudrais prier. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre mère est où? Elle est au village. Elle est au village. Dites à votre mère avait une soeur qu'on appelait Rachel. Hein? Oui, papa. Elle avait une soeur qu'on appelait Rachel. Vous la connaissez? C'était sa cousine. Oui. C'était? Sa cousine. Sa cousine, oui, je sais. On l'appelait comment? Rachel. Elle est où? Elle est au village. Elle est au village, n'est-ce pas? Dites-lui, dites à votre maman, il y a quelque chose qui s'est passé avec sa soeur. Il y a quelque chose de très mauvais qui s'est passé avec sa soeur. Vous comprenez? Oui, Rachel, à un certain moment, est tombée malade. Votre tante, elle est tombée malade à un certain moment. Parce qu'il y a eu des problèmes de sorcellerie dans votre village. Et ces problèmes de sorcellerie étaient tellement graves que c'est allé jusqu'à chez le chef du village. Vous comprenez? Et il y a eu un jugement dans votre village. Et ça, l'affaire est sortie que c'était des sorciers qui bloquaient les enfants de votre village. C'est ça? Oui. Maintenant, Rachel a été victime de ces pratiques de sorcellerie. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre votre tante Rachel et vous quand vous étiez en classe de seconde. Quand vous étiez en seconde, vous aviez une camarade de classe qu'on appelait Madeleine. Hein? Oui, papa. Vous avez une camarade de classe qu'on appelait Madeleine. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Vous l'appelez Madeleine. Oui, papa. Et regardez, cette Madeleine, quelque chose s'est passé en classe avec Madeleine. Hein? Nous sommes en seconde. Oui. Quelque chose s'est passé avec Madeleine. Il y a eu des Zalam, wa in alos, maklita in glasma elkum. En début d'année, quand vous étiez en seconde, il y a un camarade de classe qu'on appelait Ayisi. Hein? Oui, papa. Qu'on appelait Ayisi. Oui. Hein? Oui, Ayisi Owono. Oui, papa. Vous vous souvenez de lui? Oui. Ayisi Owono. Il était le chef de classe, oui, en début d'année. Oui, mais il n'a pas fini l'année scolaire. Il n'a pas fini l'année scolaire. Parce qu'après, il a eu des problèmes. Et il est parti. Lorsqu'il est parti, il y a eu des nouvelles élections dans votre classe. Et dans ces nouvelles élections, Madeleine, elle s'est portée candidate. Oui, papa. Et elle a été votée comme chef de classe à la place d'Ayisi Owono. Maintenant, avec cette Marie, Madeleine, il y a quelque chose qui s'est passé avec votre tante Rachel. Vous comprenez? Oui, papa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Et cette chose vous a atteinte. Elle vous a atteinte. La même malédiction qui a été pratiquée dans la sorcellerie contre votre tante Rachel, c'est la même malédiction qui
était portée par Madeleine dans votre salle de classe. Elle-même, elle était victime. Elle n'était pas une femme compliquée, mais elle était une victime. Et cette malédiction, parce qu'elle avait la même généalogie avec la malédiction de votre tante, cette malédiction vous a reconnu. Zama in arosmi radan radanaleta wa in aglomarosno tolfo kulaxni in ikli. Regardez, maintenant il y a quelque chose qui s'est passé. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Martin. Il y a un jeune homme qu'on appelait Martin. Et ce Martin, à l'époque, quand vous étiez en seconde, vous a parlé du Seigneur Jésus. Et ce jeune homme vous a pris comme un ami. Et il vous a pris comme un sujet de prière devant Dieu. Et à cause de ces prières, l'ange de Dieu vous a aidé en classe de seconde. Sinon en seconde, vous alliez mourir. Vous devez mourir en seconde. Parce que quand vous étiez en seconde, le diable vous a attaqué avec une maladie. Au niveau de votre poitrine, une maladie de poumon que le diable vous a lancée. Mais c'est grâce aux prières de ce Martin que vous avez survécu. À cause de Martin. Amen. Martin Mbok, ou c'était Mbok Martin? Mbok Martin. Oui, c'était le jour où il fêtait son anniversaire. Il m'a invité. On l'appelait comment? Martin. Martin Mbok. Ce sont les prières de Mbok Martin qui l'ont sauvé. Dieu a suscité Martin pour vous garder, parce que Dieu connaissait les projets qu'il a pour vous. Amen. Et dans votre salle de classe, il y avait une camarade à vous qu'on appelait Sophia. Oui, papa. Sophia. Oui. La Nyanga. Sophia. On l'appelait la Nyanga parce qu'elle aimait faire le Nyanga. Vérité. Son nom c'était Sophie. Mais on l'appelait, vous l'appelez Sophia. Vérité, elle est tombée papa. Malade quand vous faisiez seconde. Vous savez pourquoi elle était malade? Non, papa. Parce que la malédiction qui devait tomber sur vous est tombée sur elle. Parce qu'il y avait Martin à côté de vous qui intercédait jour et nuit. Elle n'avait personne pour la garder. La malédiction l'a frappée. Maintenant, écoutez. Dieu m'a dit qu'il m'a suscité aujourd'hui. Qu'il m'a suscité aujourd'hui dans votre vie. Comme le terminus. Je suis venu ressusciter. Amen. Votre destinée. Amen, papa. On va vous annoncer les choses. L'homme, si je vous ai vu, Dieu va vous enrichir dans les bâtiments. Amen. Dieu vous rendra riche dans les bâtiments. Amen, papa. Dans l'immobilier, vous serez un homme riche dans ce pays, dans l'immobilier, dans votre village. Amen. Vous serez une référence. Amen, papa. Père, tu m'as dit que le repos est arrivé dans la vie de cet enfant. Comme je mets cet eau sur lui, que ce soit le symbole de l'épuration et de la purification de sa vie, de toute forme de malédiction familiale et ancestrale, et de toute pratique maléfique dans sa vie, au nom souverain de Jésus. Buvez et célébrez Jésus. Vous êtes délivrés. Dans le nom souverain de Jésus. Mettons debout. Les autres, on continue demain à cause du temps. L'Éternel t'établit au nom de Jésus.